Ok, ton rapport à la collectivité, c'est ton rapport à la collectivité, c'est ton rapport au fait de ne. Ok, tu t'excuses de ne pas rien, de rien dire. Derrière, tu as l'obligation sociale de toujours expliquer, de toujours être prévenant, de toujours prendre soin. Comme on t'a bien élevé. Tu refuses d'être juste là à vivre ta réalité peinard. Il faut toujours quelque part que t'emmerdes le monde. Il faut toujours quelque part que derrière cette phrase, il y a ce côté mais je dois être pris pour une victime. Sinon, je ne peux pas assumer seul ma réalité. Je ne peux pas assumer seul d'être qui je suis maintenant. Je dois à tout prix être pris en compte par l'autre, sinon mon jeu ne fonctionne pas, sinon mon jeu de victime ne fonctionne pas. Voilà ce que ça sous-tend, tes 12 lignes. Cette question de l'isolement, c'est ça. Et ça vient révéler ça du groupe. Se justifier. Il y a vraiment un côté chez Mélanie et chez nous, je me justifie. Je suis pas capable de rester peinard tranquille chez moi sans emmerder le monde. On n'est pas capable. Il faut être plein. Il faut qu'on soit martyr derrière. C'est ça que ça vibre. Il faut être dans les mémoires. Il faut avoir le visage d'un chien battu, mais ne rien dire pour accaparer l'attention. Il y a ce côté, j'assume pas mon expérience, j'assume pas ce que j'ai créé de moi. Je n'assume pas ce qui est. Ouais, je n'assume pas ce que j'ai créé de moi. Je n'assume pas ce qui est en moi. Je n'assume pas ce que j'ai fait de moi. C'est ma came, c'est ce qui me fait vivre. C'est ma drogue. Derrière, ça veut me dire que tu fais pas le boulot pour toi, tu fais le boulot pour l'autre. Tu suis toutes les cases. Tous les checkpoints nécessaires pour que socialement, pour que l'extérieur te renvoie, c'est bon, t'es validé, tu passes dans la classe supérieure. Ça vient de. Ouais. Derrière, ça résonne pour toi et le groupe, incapacité à choisir mes propres biais, incapacité à choisir mon propre protocole de validation. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose contre lequel tu te bats. C'est ce que j'appelle le mécanisme du martyr. Derrière, ça résonne ça. Un martyr sera sans cesse martyr. C'est ce qui le structure socialement parlant. C'est ce qui fait partie du pack de son identité. Si on lui retire, il n'a plus d'utilité dans le social. Il ne sait plus qui il est. Et tout le groupe résonne là-dessus. Ok, il y a une manière. Ok, il y a une toxicité envers l'autre. Je vais vers l'autre non pas pour exprimer à moi-même qui je suis, mais pour emmerder l'autre. Et lui demander de régler mon expérience à ma place. Dit autrement, on est un adulte
avec de la merde au cul et on demande aux autres de nous torcher les fesses. On se sent incapable de gérer le poids de notre rancœur, de gérer le poids de cet émotionnel, de ces émotionnels, le poids de cet agglomérat d'énergie qui me constitue. Ouais. On refuse d'assumer notre existence. Je refuse de m'assumer, je refuse de me porter moi-même. J'ai tellement été habitué à être l'enfant roi, à me dire que j'ai ma place, que je ne suis pas capable de le dire par moi-même. Voilà ce que ça vient résonner.